Je commence ma déclaration par la direction des travaux publics. Je reviens encore une fois sur la route nationale numéro 72 qui est dans l'état de dégradation très avancé, particulièrement le tronçon Makouda La Crête d'une distance de 9 km sur lequel vous nous avez donné plusieurs fois l'engagement de réhabiliter avant même le début de la saison estivale, mais à ce jour, rien n'a été fait. Deuxièmement, la réalisation de l'éclairage de Recade Nord, qui est totalement dans le noir, surtout le tronçon allant du pont de Pougé jusqu'au pont du Ouattita, qui présente un danger mortel avec des chutes de grosses pierres, surtout en hiver. Ce tronçon doit être doté d'un éclairage public en urgence. La réalisation et avec la réalisation d'une sécurité pour éviter ces chutes de pierres. Troisièmement, la route menant de Tizi Ouzou à Benizmenzer par Bouhinou est tellement assise dans un état de dégradation très avancé. La DTP doit intervenir rapidement pour sa réalisation et son aménagement. Quatrièmement, il y a une nécessité urgente de réaliser au moins deux passages au niveau de la route menant de Tizi Ouzou vers Alger au lieu dit Saïda Merosh avec une séparation de deux doublements au plusieurs plusieurs accidents ont été enregistrés sur les piétons qui traversent l'autoroute et les voitures qui brûlent la ligne continue et pour emprunter la route. La route qui traverse est la voie ferrée du côté du siège l'UTSTO. Cinquièmement, la route nationale numéro 71, qui est la plus longue route nationale à travers de notre wilaya. Elle démarre de la route nationale numéro 24. À faire côté de Dallas jusqu'à Djurdjura mérite une meilleure condition et prise en charge. Des travaux d'élargissement au niveau de certains tronçons est une nécessité absolue. Sa réalisation et son aménagement doivent être réalisés dans les meilleures conditions possibles. La direction de santé publique, le PSP de Ouaguinou, qui prend en charge 8 communes, Iflissen, Tigzir, Tmizran, Makouda, Boudjima, Aïta, Issam, Moun, Ouaguinou, Tmizer, manque cruellement des moyens humains, matériels et financiers. Certains polycliniques fonctionnent au ralenti, absence d'ambulance, des laboratoires qui ne dispensent que de quelques analyses. Les radiologies ne fonctionnent pas. Les services dentaires assurent juste un service minimum. Il faut vraiment doter ces structures d'un minimum de moyens pour un fonctionnement minimum et par là même soulager les EPH eux aussi qui manquent de moyens et qui reçoivent tous les malades qui devrait être pris en charge par ces polycliniques. La direction de la formation professionnelle, le CFPA Kias Amar de Tébéka, CFPA dépourvu de chauffage. Il faut au moins doter les ateliers qui sont en tôle de chauffage. Le personnel et les stagiaires qui travaillent à l'intérieur de ces ateliers vivent un calvaire en hiver. La direction des ressources en eau, le DR, attend la réception du barrage de Sokhantelata et où on est avec la réalisation du barrage de Sidi Khalifa dans la commune de Tchafa. La direction de l'environnement,
On sait tous que la situation environnementale de notre wilaya est plus préoccupante. L'état des lieux était plus catastrophique, surtout au niveau de la région de littoral. On est avec la réalisation des CET inscrits à l'indicatif de notre wilaya. Ça fait plus de 15 ans, mais à ce jour, elles ne sont pas encore réalisées. La direction de l'éducation, on est avec les travaux de réalisation d'un nouveau CER au niveau de Talabzoro commune de Makouda. Les travaux avancent en ralenti et le CM actuel qui est en préfabriqué est dans un état de lamentable et devient un danger permanent pour ses élèves. La direction du tourisme. On est avec les zones d'expansion touristique du littoral qui sont à l'état d'abandon. Est-ce qu'il y a un moyen, il y a au moins quelque chose en vue pour les deux zones, pour les deux zones qui ont fait déjà l'objet d'études, ça fait plus d'une décennie, à savoir la zone d'Assouan et la Z de Sidi Khalifa. Merci pour votre attention.